Dernière visite, vice-président américain Kamala Harris dans le pays Bahamas. Côté, il y a une réunion pour divers chefs d'État, gouvernement, pays membres, CARICOM. Et côté, premier ministre de facto Ariel, tal participé, il a fait chita parler avec vice-président américain. Faut que moi dis nous, chita parler ça, il y a une pile gros conséquences avec changement que nous prenons présentons, nous prenons parler de yo dans un petit moment. Yon lot bon dans la coupe pays d'Haïti, jouet la makisa. Bagay yon ti jan compliqué la nan moment pour André Michel. Suite avec réunion sa ki genye pour al fait nan pays et Jamaïque. Genye divers représentants à Komontana ki la ge secret André Michel dans la rue. Moi même, pas de jan m'konnesi André Michel, to krake on bouze, bien, information on prend la rue. Selon déclaration divers membres, na Komontana on pral gagner pour tendre tout détail yo sur André Michel parce que dans moment là dernière réunion ça que programmé dans pays Jamaïque 11 12 13 juin cap gen pour venir là son réunion qui menace pouvoir Ariel Henry son réunion cap gen pour organiser qui la gen gros courri là dans primature dans mita acolyte premier ministre Ariel Henry nan fo coup de pied dans département la Tibonite côté ti mépris qui se chef coalition paysan et Jean de Nio, et bien là, dans le moment, il y a un petit compliqué pour moun la Tibonite à cause ayer jeudi 8 juin 2023. Et bien, équipe résistance Chandela, divers autres groupes résistance, cellules résistance, yote décidé attaquer allié partisans, sympathisants, base griffe, groupe bandit sarien, que Luxon Elan a pas dirigé. Nous parlons plus de détails sous dossier. Si là, bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? C'est un plaisir, comme d'habitude, pour m'avec nous, pour me porter émission pour là, pour mon éditorial avec Yannick. Dans l'idée, pour être connecté à tout petit détail qui a dominé l'actualité. Si vous pouvez abonner à la chaîne là, m'a invité à abonner ou sous taxe 609 tout haïtien connecté abonner toujours songer activer petite cloche notification comme ça on pas rater aucun vidéo n'a gagné pour nous poster aujourd'hui c'est vendredi 9 juin 2023 weekend a commencé m'a profiter souhaiter à chaque abonné nous yo yon bon weekend nous connaît mode là déjà nous connaît principe là déjà pas boire alcool l'a conduit pas conduit l'eau boire alcool parce que bagaille ça ou pas zanmi et puis après profiter le week-end ou enjoy ou sans camper parce que nous besoin des moments de détente. Merci à tous les amis hier qui te prend au titan qui te prend et qui te cherche quelques recettes de grand-mère pour te partager avec moi et si c'est pour nous véritablement je dis à la gorge à ta pleuvé en forme parce que tellement recevoir recette tellement recevoir médicaments mais ça pour faire Yannick prend si au miel prend si trop prend l'ail et m'étais vraiment apprécié ça mais nous quand remarquer mon petit voix qui puis fin matin là parce que voix gorge pas vle bon non gorge pas vle bon mais faut que moi là avec nous ça pas plus mal depuis ça pas plus mal ça pas plus grave m'obliger là avec nous pour me partager information yo sans plus tarder nous rentrer dans dossier. Et Kamala Harris, vice-président américain, qui te font chita parler, qui te rencontré avec premier ministre de facto, Ariel Henry. Eh bien là, pays États-Unis, ils continuent à prendre pile engagement vis-à-vis de gouvernement haïtien, vis-à-vis de peuple haïtien. Dans le mois d'août 2022 qui t'est passé, il faut que je dise nous, dans le dossier trafic d'armes, munitions, eh bien, l'autorité fédérale américaine, dans le cadre de la conférence de presse que vous avez faite, vous avez remarqué, vous avez dit que gagner augmentation exponentielle de quantité d'armes à balles qui a rentré en Haïti, qui a sorti aux États-Unis, qui a rentré en Haïti par contrebande. Eh bien, yo dit que zam ak munisyon sa yo ki kite États-Unis ki rentre en Haïti, eh bien zam sa yo yo représente une menace, yo représente un danger parce que non seulement il y a différentes catégories zam, il y a différents zam de divers calibres qui rentrent en Haïti, mais ça qui était beaucoup plus attiré attention yo c'est le fait que gagne munition, gagne zam avec balle calibre 50 qui rentre en Haïti, qui rivait percer blindé, qui rivait percer machine blindé, char blindé, etc. Donc, ouais, ça t'est vraiment préoccupé, yo. Eh bien, hier encore, je suis à parler que vice-président américain Kamala Harris avec premier ministre Ariel Henry. Il a fait connaître, et dans ce qui est pour avec le département d'État américain, il y a une investigation qui prend le monter là, il y a
des groupes d'investigation qui pral monter pour continuer aider Haïti faire face à avec contrebande zam nan, trafic zam avec munitions, bal zam qui pral rentrer en Haïti qui pral alimenter gang yo, qui pral alimenter violence criminelle en dedans pays. Donc yo continuer travailler main en main avec PNH. On est comme d'habitude, c'est promesse qu'a fait. Comme d'habitude, il y a ba nou ti parole pour faire nous dormir, mais ça pas empêché que depuis août 2022, depuis là où tu fait constat, jouk nan moment n'a parlé à là, jouk jodi vendredi 9 juin 2023, ça pas empêché que zam continue sorti États-Unis rentrer en Haïti. Zam continue monter bateau dans Miami rentrer en Haïti. Qui ça États-Unis fait la caille en amont pour empêcher le qui ça États-Unis fait pour contrecarrer trafic d'armes et munitions. Alors que nous connaissons là en Haïti, nous connaissons question trafic d'armes, non question trafic munitions, balles d'armes qui rentrent en Haïti. Li beaucoup plus n'avantage n'importe parce que yo fait comme la caillou, c'est armement, c'est lui même qui baille l'argent, c'est lui même qui vomit l'argent dans l'économie. Donc journée je dis là, si c'est pas nous même, pas bon côté pas nous qui mettez contrôle dans droit nous yo, qui mettez contrôle dans port n'aéroport yo, nous foutu. Mati ap voye sou nou davantage, n'ap continue prendre en roulo, n'ap continue nan kouri, bandi ap continue touye nou, bandi ap continue fèn kouri kite la kay nou, kidnappe nou, etc. Parce que pa gen aucune disposition qui prend véritablement pour freiner question zam nan, pour freiner question trafic zam, trafic bal nan. Donc c'est vrai que vice-président américain Kamala Harris il fait des promesses, il fait en pile promesses. Parce que yo dou non seulement Haïti avec augmentation zam avec bal kap rentre li représente une menace pour respect dans Caraïbes, mais Caraïbes lan son réservoir lié pour zam sorti aux États-Unis rentrer dans Caraïbes. Attendez bien, oui, peut-être pas qu'on est sous prend sens. Et ça vice-président américain ça le dit Caraïbes lan nan moment la Caraïbe la confronté face avec une grosse situation parce que zam avec balle a sorti aux États-Unis passé dans Caraïbe blanc. Caraïbe blanc vient tout non pas soi, mais Haïti lui-même lui représente une menace pour l'autre pays qui dans Caraïbe blanc. Non seulement dans ça qui gagne pour avec migration parce que haïtien qui pas ka vivre dans pays à cause bandi, à cause gang, à cause criminel, cap fait nous courir quitter la caille, nous cap touyer, nous cap toupizi, nous cap déposséder, nous cap appauvrir nous obligé chercher une façon pour nous la guerre pied nous. N'importe gens ça y n'a prend canter, n'a prend bateau pour nous chercher la vie mieux en l'autre côté. Et bien l'autre pays dans Caraïbes, l'autre pays même CARICOM yo. Yo même yo estime que Haïti sont menace. Qui ça États-Unis ka fait? Qui ça États-Unis? Comment États-Unis ka exhorter gouvernement haïtien? Comment yo ka râler zorey gouvernement haïtien pour yo ka mandé Ariel Henry, mandé ministre intérieur gérer question migration en dedans la caillou, gérer question haïtien k'ap courir quitter Haïti prend compte prend bateau pour yo chercher la vie de l'autre côté parce que nous même nous about. Son bagay kon sa liye. Tout point sa yo, tout débat sa yo, discuté hier avec Premier ministre Ariel Henry, avec vice-président américain. Mais ça qui attire attention nous, c'est le fait que vice-président américain, il continue à prendre des engagements. Pays États-Unis continue à prendre des engagements vis-à-vis de peuple haïtien. Yo l'autre fois encore, dans sa qui gen pour avec aide humanitaire, eh bien, États-Unis promettent là 53,7 millions de dollars américains d'aide et pour insécurité alimentaire là que on pral mettre disponible dans USAID qui pral gérer question grand coup question misère puisque dans moment on a parlé à là c'est 4,9 millions haïtiens oui qui dans insécurité alimentaire qui dans grand goût. M'a parle de grand goût, m'a parle de extrême pauvreté moun qui pas même espérer a besoin un petit plat manger, un petit assiette manger, un petit plat chaud chaque jour. C'est moun sa yo 53,7 millions de dollars américains, c'est moun sa yo le viser pour l'aider, c'est moun sa yo li viser pour le supporter. Mais en dépit du fait que Haïti a confronté avec problème insécurité alimentaire, n'a confronté avec insécurité au sens strict, ça veut dire bandi, à gros enfants fois cap tout pizi nous, cap touye nous, cap marcher sous fiel nous, mais gen yon pile lot promesse que vice-président américain ou bien que pays États-Unis fait Haïti. Surtout dans ça qui gen pour avec les questions économie. Parce que là, gen yon renouvellement et loi au plan,
loi Hope plan lui-même Hope Help, c'est une loi qui était votée dans l'idée pour permettre à ce que des investisseurs étrangers qui viennent implanter entreprise en Haïti pour bailler mon job, pour créer travail. Eh bien, États-Unis bénéficient en pile de loi ça parce que Mabdo, peut-être sous pas connaît lui. Il y a un paquet d'entreprises américaines qui ont une entreprise là, sous sol haïtien, dans la factory, dans le parc industriel. Pour qui ça? Parce que les gens en Haïti ont une main-d'œuvre à bon marché. Ils ont une main-d'œuvre qui a besoin à plus bon prix. Et nous, déjà, on est en Haïti qui bataille, qui combat chaque jour pour malheureux et malheureux qui travaillent dans la factory, pour salaire minimum, pour les gens qui ont un petit bagage qui descend dans la main, qui permettent de vivre. Mais, malgré ça, n'est pas facile. N'est pas facile parce que avec ces vraies lois hop ça, il permet que et dans factory entreprise étrangère vienne investisseur étranger vienne en Haïti. Mais l'autre bord tout le fait que en Haïti, le fait que autorité l'État, le gouvernement haïtien, syndicaliste pas vraiment mené bon combat pour permettre à ce que malheureux malheureux qui travaille dans factory, qui fait boule, qui fait jeans, qui fait maillot, etc. Yo pas qu'à vivre décemment. Kou yo fin kite factory, 500 goud j'a payé ou 450 goud j'a payé ou yo presque manger chaque jour. Et au final, moun sa yo toujours dans gang, yo toujours dans chômage. Travail chaque jour le meilleur travail là son chômage déguisé lié faut que yo cherche un bagage pour yo faire mais ça y a fait nan fait moi pas qu'à rapporter rien véritablement. Eh bien, avec renouvellement, avec promesse ça, que vice-président Kamala Harris fait pour loi Hope, pour renouveler en Haïti, pour investisseurs étrangers, on continue, venir planter business, venir avec, venir mettre entreprise en Haïti, pour rejoindre le monde, venir travailler dans la factory, pour yo. Donc, pour Haïti, gouvernement haïtien, malheureusement, yo trouvé les bénéfices pour yo, malgré que, t'as supposé toujours gagner un ajustement qui fait dans le salaire ouvrier, yo, pour moun yo ka vivre plus ou moins. Eh bien, je dis, on doit connaître, des séries de grosses entreprises américaines qui vendent jeans, qui vendent belles maillots, belles chemises. C'est en Haïti, oui, c'est en Haïti, tout assemblage, je fais jeans, je sorti en Haïti, je seulement monté États-Unis, Canada, la France avec eux, elle mette étiquette sur eux. C'est grâce avec loi Hope ça. Donc, gen en pile gen gros décision gen en pile chita parler qui fait là pour renouvellement loi Hope là qui non seulement ka profitable pour l'état haïtien mais tout qui peut être ka profitable davantage pour gouvernement américain et ça c'est une promesse que vice-président américain Kamala Harris li fait mais ça pas fini parce que nous connaît Haïti c'est pas seulement problème gang insécurité alimentaire l'an bandi ou bien problème économie Haïti gen nou gen problème tout côté nou gen problème et de tout part mais ça qui beaucoup plus important c'est river résoudre problème instabilité politique là ça là nan moment là c'est une bagaille qui mette division qui crée chirépite et c'est une bagaille tout qui permet un paquet de petits clans, un paquet de petits groupes, nèg continuer financer gang, continuer financer bandi. Parce que journée jodi, André Michel avec acolyte li yo allié li yo qui sous pouvoir, li évident que nèg yo pas pour le bon œil pour yo courir remettre pouvoir, pour yo laguer pied yo, pour yo laisser botte pour yo aller. Vous comprenez? Donc André Michel t'a toujours aimé ouais li dans pouvoir, l'a gérer l'état, l'a prendre des décisions. Comprendre, ni toujours des machines officielles, li, et paquet de sécurité, le paquet de policiers, qui d'elle, comprendre, c'est mettre pays nèg yo, yo tap toujours aimé comme ça. Donc, par rapport avec stabilité qui gen là, vu que communauté internationale là, gen pression à exercer, faut élection faite, faut qu'Ariel fait élection, si Ariel pas en mesure pour le faire élection pendant que le passé 2 ans dans tête pays, hein? Donc Ariel ou échoué. Ariel ou échoué. Mais, pendant que pression qu'a fait pour Ariel arriver à organiser l'élection, mais gagner tout, un peu structure politique et gagner un peu secteur dans la vie nationale, dans ce qui est pour avec organisation, réseau droit mounio, des séries de têtes pensantes dans la société civile, là, yo sermenté 7 fois, 77 fois, 7 fois, yo même yo pas de question élection avec Ariel Henry, et moun sa yo influent. Je nous sors toi dans le jour passé, yo là. Pierre Espérance qui monte dans les États-Unis, là, il fait pèlerinage, après rencontrer avec des séries de gros bras dans la Maison Blanche. C'est pas sans raison, hein? C'est pas anodin. Est-ce que Ariel Henry soude pour perdre du pouvoir? Est-ce que Ariel Henry soude pour un arrangement qui fait avec Accor Montana, avec différentes autres structures qui ont même pas d'accord avec M. Ariel Henry? Ça reste à voir. Ça, n'a pas suivi de très près. Parce que si dans 2 ans, Ariel Henry,
Ariel Henry n'est pas qu'arrivé faire élection alors que Ariel Henry nous connaît toute transition. Constitution dit notre transition, c'est 90 jours max et puis faire élection. Mettez au gouvernement, mettez au président élu dans le pays qui cabine avec le gouvernement et démocratiquement, moun qui choisit régulièrement, etc. à non parlement. Ah, nous connaît la procédure là. Mais par rapport avec Jean-Ariel a géré pays, bah petits amis qu'a fait, bagay akolik k'ap régler, bah yo vinn plus difficile chaque jour. Eh bien, hier à Comontana, yo té réuni. On a réuni à Comontana, eh bien gagné et président transition à Comontana, Fritz Alphonse Jean lui-même, li font gros déclaration. Eh bien pour président Montana, ça n'a vu jounen jodi a la nan pays, c'est Ariel Henry qui dèl. Ariel Henry c'est papa gang yo. Ariel Henry c'est pas trop gang yo. Ariel Henry a financé gang yo. Ariel Henry a protégé gang yo. Mais c'est pour quoi bagay lan sa. Songe nan commencement vidéo, hein. Moi dis nous et étonnamment nous tendez nous apprendre que André Michel son craqué son bouzel ta pire que c'est président Michel Joseph Martelly. Si c'est moi cap dou mon cap oublier bon quelques petits détails mais bon qui te regarder comment ça t'est avec deux et membres de représentants comme Montana qui t'a bail en stop de formation sous André Michel qui lui-même dans moment là c'est mettre pays c'est mettre pouvoir Ariel Henry nous gagner ça. Ça seulement pour ça dire nous chercher confirmer boss. Ou besoin de la firme, gardez André Michel 2018, 2019, 2020, gardez André Michel 2023 pour essayer de frapper. C'est bon, Sevel, si Sevel n'y pas aller. Si n'est ça va filmer pour le pape sniff en cachette. Et pas seulement pour l'activité dans le pays Jamaïque. Nous déjà avons une équipe leader paranoïaque, une équipe leader Sevel Ravette, Sevel Poul, une équipe leader cracker. C'est même moun sa ou mou invité dans Jamaïque. Comme Jamaïque, dans la région. C'est la région qui a plus buzz. Je ne sais pas si c'est buzz ou invité à le filmer pour craquer le cerveau net pour qu'il vienne finir avec nous ou bien pour planifier qui ça. Je dis, hein, l'éclair, Ariel pas qu'à sortir car le peuple est sauvé. Triple même l'argent passeport. Nous avons déposé passeport. 500 gouttes. Je dis, hein, à part de raquette qui a fait l'argent, bon, 2000 gouttes. Yo exige le dépôt son passeport. Donc, pour faire qui ça? Nous toujours pas gagné accès pour aller dans le sud. Nous toujours pas gagné accès pour aller dans le nord. Nous toujours pas gagné accès pour aller au centre. Nous toujours pas gagné accès à de l'eau potable. Nous toujours pas gagné accès avec électricité. Bon, ça crée les courants même. C'est pas parler parce que c'est une barre de bagage comme ça du tout. Ok? Nous toujours pas gagné accès à service de base, à soins médicaux, les nous malades. Donc, nous pas ouais qui ça pour voir ça après de là. Qui fait l'argent, qui continue à amener les gens dans le ghetto, qui continue à acheter conscience jeune jeunes dans le ghetto. Mais nous avons un message clair pour les frères qui ont fait des âmes dans le ghetto. D'ailleurs, avant nous, il y a l'autre déjà qui existait. Je dis, il n'y a presque pas existé. Et je dis, qu'est-ce que ça, on est utile, l'Ochitan, en bas de mais à village de Dieu, ou a fait l'argent, ou a bien passé, ou a bien belle pendant ce temps, ou pas qu'à aller à la Caïmoué et dans le sud-est, ou pas qu'à aller dans le nord. Donc, ou pas prendre les ouvres. Et ceci, même moun kap bosse de jodi yo, c'est même yo même qui va manger. Le cas de Anel Joseph. Anel Joseph, le tout puissant, le fameux Anel Joseph, dans prison, l'a parlé, l'a dit, l'a sorti, petit, et maman mari, par contre, perdit bataille, effectivement, oui, monsieur sorti. Mais l'homme s'est sorti, policier qui était porté là, tu es depuis en haut. Au service de qui est-ce? Nous tous connaissons. Au service d'un sénateur de la République, l'idée. Yo tué le depuis en août, il a fait 6 miracles au Vélester. Faut que nous intelligents, moi la presse pas de parler de ça. La presse pas de parler de ça. Anel Joseph mourit son moto comme ça. Mes amis, nous tous qui là qu'on monte motocyclette. Moi même tout mon motocyclette, mon motocyclette. N'importe qui pense chauffer son motocyclette, c'est à te aller. Anel mourit et puis le retire motocyclette là, police a tué Anel pour sénateur. Depuis dans machine là et puis au Vélester et puis on joue vendredi, joue marche Lester. Jou marche Lester, il dit Anel Joseph prend balle dans affrontement à la police. Anel Joseph a privé Lester dans base ou qu'on tape Kamael ou pas tape Kamael. Donc son message nouveau est bas jeune, pas quitter Ariel à André Michel, continuer à utiliser non. Qui c'est là parce que il t'a travaillé là. Bon, on te connaît même j'avais moi parce que DCPJ te connaît Anel Joseph te dit c'est pour sénateur la Calix saute la galou. Te connaît même j'avais. Tu as parlé de l'idée. Ou besoin de la firme. Gardez André Michel 2018, 2019, 2020. Gardez André Michel 2023 pour essayer de frapper. C'est bon, Sevel. Si Sevel n'y pas aller. Si n'est que ça va filmer pour le pape sniff
en cachette. Et pas seulement le matériel qui fait, non. Nex a tout ce qui fait et tout. Chargé, majorité ça va éviter là. Soit équipe craqué. Et puis la caille, nous avons dit qu'il m'a dormi. M'bavle parler ton passé son petit caille m'a dormi. Et constat est clair. Ça, état déplorable que nous vivons là dans le pays. Il y a trois entités qui mettent lui. Il y a trois entités qui jouent de lui. C'est la communauté internationale, à travers les États-Unis, la France, le Canada, le pouvoir là, et puis le secteur privé. Je voulais nous comprendre ça. Si monsieur qui vient d'amener, ce n'est pas le premier monde qui est responsable de l'état délabrement que le pays a trouvé le jour et le jour. Parce que si monsieur ça qui vient d'amener, c'est un instrument que vous utilisez pour permettre que vous soyez capable d'asseoir, que vous soyez capable d'accoucher le projet que vous avez depuis 10 ans. Ça veut dire que ça que nous avons là, ce n'est pas le fruit du hasard. Son bagage bien construit, bien calculé. Mais je dis, nous venons dans Montana comme étancienter à quoi? Nous venons dire, par rapport avec l'invitation qui fait dans Jamaïque, là, Montana, c'était une grosse entité politique qui était gagnée là lorsque l'international a pensé débloquer la situation. Je toujours pensé que c'est à travers Montana que vous avez venu. Mais c'est bien qu'on t'ait mal calculé parce que Montana pas un instrument côté que vous avez fait passer n'importe notre musique. Montana son institution, bien que n'est pas un parti politique, n'est pas une plateforme politique, mais son institution hautement politique qui vient pour décider sur comment pays, avenir pays doit aller. Journée aujourd'hui, nous gagnons tout capital humain ça. Courir quitter pays, hein? Étudiant aller, professeur aller, agronome, médecin, avocat, cordonnier, maçon, tout le monde a levé quitter pays. Hein? Des monde que l'État prend 15 à 16 ans pour former, des monde qui sortit depuis dans l'école nationale, qui passait dans le lycée, qui allait dans l'université. Journée aujourd'hui, c'est monde ça yo cap courir quitter pays, hein? Or c'est yo qui te doué là pour permettre que y a fait préparation pour génération future. Yo. Mais ça que nous vivons là, c'est une construction depuis 10 d'antan. Nous avons préparé, nous avons injecté quoi pour que nous amener nous là. Mais je dis, présence nous en dedans à Montana et dans la rencontre ça, nous te venons dire, Montana étant qu'institution qu'elle est, Montana pas capable représenter Jamaïque sans que organe et instance qui construit Montana n'a pas décidé. Qui ça me veut dire? Montana li gagnen sa rele BSA, qui c'est bureau suivi à Montana. Li gagnen présidence là. Li gagnen forum parti politique yo, li gagnen plateforme société civile là, li gagnen KNT. Ça fait Montana une véritable institution. À chaque décision politique qui gagne pour prendre dedans Montana, faut toute instruction et organe yo réuni pour yo. En tout cas, dans question politique en Haïti, ak nèg sa ou ka fè politique ici là, tout bagay possible, tout est possible. Est-ce que c'est caractère André Michel y ap sal, m pa konnen, parce que moi-même pa rete la ka André Michel, m pa konnen si André Michel son craque, son bozè ou pas. Mais l'essentiel c'est que c'est moun ki c'est même politicien yo, vous comprenez, c'est même yo, c'est nèg k'ap fè politique, c'est nèg ki gen aspiration pour gérer l'état, pour gérer tête pays. C'est youn k'ap dénoncer l'autre, c'est youn k'ap avili l'autre. Moi-même son tuyau, moi-même son canal, m'la pour m'forger un message, pour m'partager message avec ou pour ka konnen, pour ka jwenn information yo. Sans plus tarder, nous pral fò ti coup de pied dans département la Tibonite. Eh bien, hier après-midi, il y a un paquet d'informations qui rejoignent nous et son situation de tension qui était gagnée dans le département et précisément dans la commune Liancourt. Qui ça bagaille là? Au final, nous apprenons que il y a plusieurs cellules résistance, il y a une coalition de Nian et Nedime Prio qui ont même hier qui était largué coucou rouge derrière tout le monde qui connaît, tout le monde qui suspecte. Qui c'est informateur, qui a une relation, qui a une proximité avec Bas Gangriff, avec Luxon Elan.
Eh bien, hier, nous apprenons, c'est plus passé 15 cailles qui boulaient, qui passaient en bas flamme du feu dans le cours. C'est plus passé 3 machines, motos qui boulaient. Et, grande information, nous pas arrivé à vérifier, lui qui t'a fait quoi, que même, et que même magistrat il y en coulant il ta victime il ta perdu et bagay li suite avec il ta perdu kaili machine il ta prend du feu etc. suite avec et levé campé qui te gagné dans commune en coulant. Il faut moi dire nous véritablement si ou vle menon combat contre insécurité contre gang contre bandi si nan mitan nou gen toutè, nan mitan nou gen escamote, nan mitan nou gen reprenn gen machin désagrément ki gen relation avec bandi, avec base gang rif lan, li évident que bataille la pa janm ka rive atteindre objectif li. Si on veut voler et puis nan mitan ou gen moun ki se même voler, a gen moun ka protéger voler, a gen moun ka bay voler information, sou combat wap mené, sou sa préparé comme piège contre voleur, comment on pral faire kembe voleur ça? Donc hier, c'est ça que tu as gagné hier avec la coalition Chandela, avec différentes autres cellules de résistance, qui s'amantent quand tu as pu pas ratiboiser tout allié, tout partisan, tout le monde qui n'a connivence avec Nexarien, c'est brillé ça. Hier, pas même comme si pour yo arrêter, pour yo pral questionner, ah bah comme ça, condamné en foi. Yo rive non kay, yo pas joindre moun nan kay lan, yo vide gasoline passé à allumer du feu. Du feu, du feu. Et dans la localité Moodoué, tout est gagné même tension. Il y a des cailles qui boulaient, il y a plusieurs cailles qui boulaient parce que hier, eh bien, coalition Jean-Denis, un groupe résistant Chandela, il a dit que plus jamais ça, il n'y a pas de se coller avec gang, il n'y a pas de se coller avec allié gang, avec tout est bandit. Mais ça fait plusieurs fois gagné des séries des amis qui a tenté pour yo faire des approches avec moi dans ça qui gagne pour avec coalition Jean Denis avec ti mépris. Et moi même personnellement on a posé tête moi petite question tout et sous financement coalition Jean Denis côté ti mépris joine financement côté ti mépris joine l'argent côté et coalition équipe résistance côté yo joine acheter et munitions balles côté yo joine acheter des armes etc. Pense et question ça yo faut nous poser yo question ça même là l'autre monde pas d'accord avec nous même là et gen moun qui ka toujours pas d'accord avec faut nous poser parce que même couloir bandi ça vient en joine pour acheter des armes non c'est même couloir ça groupe résistance a besoin pour acheter des armes tout c'est même couloir ça a besoin pour acheter munitions tout et dans jour qui sont passé là nous tendez tes concerter all 20 salias oreilles que équipe résistance te prend qui ça jeune garçon ça qui ça chauffeur camion ça t'a fait. Yo jeune ya avec n'importe 3 boîtes cartouches li t'a pral porter pour nèg sa rien yo pour nèg luxon yo pour bandi grand grif yo même li même tout coalition Jean Denis nèg ti mépris yo kon utiliser pour l'acheter et pour l'acheter balle pour yo donc comprendre bien même nèg kap acheter balle pour sa rien à un certain moment li kon acheter balle pour ti mépris tout pour coalition Jean Denis pour groupe résistance donc là ou dans le flou. Gon côté erreur là c'est nous pour joindre pendant balle a sorti Port-au-Prince monter la Tibonite dans camion chauffeur camion a transporté balle a transporté zam rentrer dans département ou gagne changement qui fait en dedans direction département la Tibonite en dedans DDA Godson jeune qui monte dans tête direction départementale la Tibonite là pourquoi j'aime dans depuis monsieur ça monter les jambes font bagaille qui sérieux m'pa j'aime dans des gon quête qui l'ouvrit. Pas j'entends de gagner des dispositions qui prend. Oui, c'est vrai, faut que nous défendons nos codes gang, faut que nous défendons nos codes bandits. Mais pendant que nous défendons nos codes gang, codes bandits, on ne peut pas continuer à créer conditions pour nous encourager trafic balle, trafic d'armes, ou bien tout. Pour nous continuer à créer vulnérabilité dans le département de la Tibonite. Parce que je ne sais pas avec Luxon, avec Gorgif Bayla, qui a commencé. Bien avant de ces autorités qui rentrent avec machine officielle, viennent distribuer des armes, viennent distribuer des balles, etc. Dans l'idée pour qu'ils gèrent le pouvoir, pour qu'ils prennent le pouvoir, pour qu'ils gagnent l'élection, je ne veux dire qu'ils mettent le département de Tibonite côté lié. Si bon bataille qui doit être faite, faut que la police accompagne la population pour déraciner bandits, ça vient yo. Et là, au fin déraciner bandits, ça vient yo. Pour qu'on y a pour assurer yo. Que toute équipe résistance qui était en face de bandits, ça vient, etc., qui tape bataille là, que vous désarmement qui fait.
Parce que l'important, li si nous bataille contre la sécurité, nous bataille contre la gang, nous bataille contre les armes illégales, ce n'est pas parce que nous bataille contre le groupe bandit. Si le groupe bandit n'est pas là encore, nous ne pouvons pas faire nécessaire pour nous gagner des armes non même. Donc ça, c'est conseil par moi, parce que je ne dis pas que trop d'armes illégales qui circulent dans le pays. Trop d'armes illégales. Avant de parler avec une génération, il y a des armes sous côté. Avant de faire une altercation avec un monde, il y a des armes qui râlent. Il y a des sensibles à la gâchette. Nous allons continuer comme ça. En Haïti, dans ce moment-là, toutes les armes légales, que ce soit les gens qui bataillent contre les bandits, que ce soit les gens qui sont en groupe résistance, que ce soit les gens qui montent en coalition, que ce soit eux-mêmes qui la caillent ou qui veulent les bandits, toutes les armes légales, et d'ailleurs, le ministre de la Justice a dit que toutes les armes légales, et pourquoi pas? Ou pas quitter bandi avin tout yo non ou pas quitter bandi avin tout yo mais ça qui grave là c'est le nous ouais pas gen aucune disposition qui prend dans l'état à bon côté autorité yo pour régulariser situation Ariel se rencontre avec et Kamala Harris se rencontre avec vice président américain c'est encore des promesses toujours des promesses promesses ça yo est-ce que y a privé concrétiser est-ce que promesses ça yo genre vice président américain dit et que pral gen pral gagne gros sanction qui pral prend contre tout monde qui traverse et qui quitte États-Unis qui voye zam Haïti contre tout monde qui rete États-Unis qui mette zam nan bateau nan doum etc. vin voye vann en Haïti yo pral prend gros sanction yo pral prend gros et yo pral vraiment sanctionner moun sa yo pour éviter que yo continue. Est-ce que véritablement pral gagne gros sanction qui prend est-ce que véritablement moun sa yo qui victime à cause États-Unis, à cause d'âmes qui a sorti États-Unis rentre en Haïti. Est-ce que moun sa yo, le fait que États-Unis pral décide de sanctionner trafiquants d'âmes, est-ce que ça suffit? Parce que je ne dis pas, nous bouquons pour promesse, nous bouquons pour nos petites paroles qui font nous dormir, on reprend. C'est comme si États-Unis, c'est comme si l'administration Biden s'est causé avec nous. Bah, nos petites paroles douces font nous dormir, et puis, et 3 mois après, 4 mois après, 6 mois, on n'est pas réglé, on n'est pas fait pour nous. Et si pour un pile monde dans dossier politique là dans moment là si pour un pile monde qui a suivre actualité politique là c'est pas une bonne idée que discussion Haïti li a fait dans pays Jamaïque si pour différents acteurs dans société civile là problème haïtien solution haïtienne eh bien gagner coordonnateur unir là Clarence Renoir qui était confiant. Li rete confiant, li très positif que gen bagay positif, gen bon bagay ki ka soti nan réunion nan 3 jours réunion 11 12 13 ki programme nan pays Jamaïque avec divers acteurs politiques haïtiens, divers membres dans société civile là qui pral débat sou problème pays d'Haïti, sou problème politique là qui ka rive abouti avec élection. Mais faut moi di nou en Haïti bagay yo pa fin kòk ba yo pa fin kòdjòm parce que gen pile parole k'ap circulé gen pile version k'ap bay et pouvoir Ariel Henry li menacé pouvoir Ariel Henry sou route pou bon bwa kale et Ariel Henry sou route pou partager pouvoir et André Michel li pa vle partager gâteau a gen pile interrogation gen pile question k'ap pose mais seul ça nous connaît c'est que Ariel Henry lui-même n'est pas de Jean Bagay là Ariel Henry t'a toujours aimé rete sous pouvoir rete sous pouvoir dans l'idée pour gagner une certaine immunité dans l'idée pour gagner une certaine garantie que dossier assassinat président Jovenel Moïse pas venir éclater dans figuil pas venir tomber en face encore puis devant parce que si Ariel li t'a quitté pouvoir et dans prochain gouvernement qui a gagné pour monter, Ariel va ta gagner des séries de monde qui proche. Ariel va ta gagner monde qui ka assurer Ariel, il me garantit que Ariel a gagné un petit question pour répondre devant la justice sur dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et toute bataille nous Ariel a mené là, c'est une bataille pour ne pas paraître devant juge, c'est une bataille pour ne pas attendre dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et hier Ariel li rete Haïti, Ariel mandé primature voyons correspondance by DCPA. Côté demandé depuis sorti 8 juin pour arriver juste 18 juin, tout
côté Ariel Henry qu'on passe qu'on a le fait si basi qu'on a le boué qu'on a bon pas comme si PM n'a confirmé bon bref tout côté Ariel lié résidence officielle premier ministre primature résidence privée premier ministre yo doit renforcer sécurité net tight serré serré pour empêcher que pendant absence premier ministre pour premier ministre t'a prendre en bois calé pour empêcher que gagne des revendications qui a le fait dans la caille premier ministre Ariel Henry donc correspondant ça yo adressé là avec DCPA dans l'idée pour renforcer sécurité Ariel Henry. Bon là on va quitter avec interview ça qui réalisé avec Clarence Renoir coordonnateur parti Union là qui lui-même a bail plus détail sous ça le penser sous ça le rete quoi qui ka fait dans 3 jours réunion qui a gagné pour organiser dans pays Jamaïque. Matin il était dans émission Grand Boulevard sur Caraïbe FM en nous suivant ensemble qui ça le tape. C'est peut-être pas une surprise le fait que Clarence accepte de répondre à l'invitation ça puisque Charles Bataillot c'est toujours chita parler en haïtien. Oui, tout à fait, parce que je pensais que c'est chemin solution à crise nous. Et c'est pas seulement parler et qui apporter solution à problème haïtien gain parce qu'il y a plein de problèmes, mais si toutefois nous commençons à parler, nous allons identifier problème yo, chercher côté solution une après l'autre à différentes crises pays à gain parce que nous avons une crise conjoncturelle qui a duré depuis 2 ans là et nous avons une crise démocratique qui l'a depuis 37 ans et nous avons une crise structurelle qui l'a depuis pays à fait. Donc, il faut bien un jour que nous commençons à parler. D'accord, concernant le dialogue qui va être Jamaïque, là, c'est dommage que c'est un deux pays à nous obliger à le faire. Mais c'est quand même une opportunité unique que CARICOM offrit à Haïtiens qui sont dans plusieurs secteurs pour aller parler. Moi, je pensais que c'était devoir, moi, en tant que parti uni, en cas prôner dialogue depuis tout le temps, comme des présents. Mm-hmm. Oui. Donc, au même, on va répondre présent, mais il y a des gens qui, peut-être, déjà dit qui résultat, qui s'accaparent sorti. Et pour qui ça, on rencontre comme ça, c'est Jamaïque l'a fait. Pour qui ça, l'a pas fait en Haïti. Ou ensemble de questions, peut-être, on va essayer de répondre avec nous. Oui, tout à fait, avec plaisir. On va le dire pour qui ça Jamaïque dans ta lèvre, parce que moi-même, par contre, raison est principale, lui, pour fond Jamaïque là, mais au moins, bon, idée. Pour qui ça n'est pas fait ici, là encore, moi, bon, idée, parce que acteur, il n'y a pas de jambes, opportunité que Jamaïque offrit à là, par exemple, on n'a capable de dire. Et récemment, il y a un forum qui était fait dans le Caribe, et côté, H7 était invité pour Mondine Feli, mais Guerrier du Seul, que moi-même, par exemple, moi j'ai une invitation la veille et événements, qui sont invitations très impersonnelles, qui disent vous êtes invité à un forum, et qui partent vraiment montrer tes gains de préparation. Tandis que CARICOM, non, depuis le 16 mai, et Premier ministre Bahamasta Philippe Davis, qui c'est président en exercice CARICOM, non, qui écrit individuellement en lettre, côté lui, manifester intention pour faire et sommet CARICOM, non, pour haïtien, yo. Lui dit qui contenu que le dernier m'a discuté la dernière. Lui dit donc a même fait des propositions sous contenu, hein. Lui dit qui est-ce qui va le médiateur, hein. Et puis lui dit, eh ben, si nous d'accord, il y a un arrangement qu'a fait pour permettre que nous arrivions et venir faire le sommet ça, dans Jamaïque. M'a rappelé déjà, Guerrier du Seul, que depuis en mois de février 2023, à commencement année, CARICOM a une délégation qui était composée de ministres affaires étrangères, Bahamas, Jamaïque et l'autre, qui était venu discuter avec Haïtiens. Nous nous sommes rencontrés, ça n'a pas fait en plus de temps, très vite, qui était fait dans moins de 24 heures, mais une rencontre de consultation. Et là-dedans, je t'ai dit chaque acteur qui a rencontré, qui ça nous pensait si CARICOM a organisé un sommet, côté nous sommes capables de participer là-dedans en terre étrangère. Maintenant, tout justificatif est là, pour que ça que le fait là, il fait. Qui avantage de offrir selon moi-même? Le regarder en tant que journaliste, expérience que moi, en pile crise que certains pays gagnent, ils ne résolvent pas dans le pays, ils résolvent à l'extérieur. Parce que cadre externe, ben, plus sérénité, plus calme, plus distance de théâtre événement,
pour que ou pas une pression permanente de la rue sur vous ou de groupes politiques qui capable d'empêcher pour jouer une solution ou bien qui capable pousser ou dans des retranchements dans capable dire extrême pour pas venir une solution. Et moi fais le devoir rappeler sur compte Twitter moi pour me dire que ce soit Colombie qui a gagné plusieurs années de guerre qui fait 800 000 morts plus de 800 000 morts et c'est la Havane Cuba yo discuté jusqu'à ce que rejoignent un accord et ainsi un accord ça à Oslo en Norvège. Il y a Sarah Arafat avec Isaac Rabin, Israël, Palestine, fait ça tout. Camp David, résidence chef d'État américain, c'est côté qu'on accueille et sommet. Et nous songez d'une signature d'un sommet qui était fait en 1978, nous entre président Israël, premier ministre israélien et président égyptien, qui était mis la paix entre deux pays. Ça y est, il y a plusieurs autres encore. Les États-Unis avec la Russie, et à l'époque c'était l'Union soviétique, et en Islande, pour y a le CIE. Un accord de paix, un accord pour contrôler les armes qu'il y a gagné. Donc, argument qui dit faire à l'étranger pas bon, hein, pour moi-même, argument ça n'est pas qu'un B. Pour moi, je comprends que ça veut dire que depuis gagner des considérations terre à terre, pas gagner intérêt d'une sur trop, mais il n'est pas assez digne à monde qui dit, ouais, lorsque monde a dit, ah, monsieur, c'est l'emploi, je peux aller, etc., c'est une vacance, je peux aller, c'est d'amuse, c'est ça. Non. Et deuxièmement, et m'a dit que mon invité habitué voyager au cap voyager c'est pas invitation jamais qui va vraiment ça qu'on jamais qui qu'on pays étranger donc considération terre à terre ça y a pas beaucoup de monde faire yo m'a dit yo mettez à quel plat on paraît qui aussi important et aussi sérieux et si acteur une bonne volonté côté pour nous discuter de ça qui arrive là nous-mêmes non unir concours plus largement dans le collectif 8 partis politiques, nous pensons que c'est extrêmement important pour nous profiter de l'occasion ça, pour nous discuter de vrais problèmes pays à gagner, problèmes population là, qui est en tribulation depuis plus de 2 ans, qui va circuler convenablement dans le pays, zone contrôlée par des groupes armés, qui a rassonné le monde, qui a kidnappé le monde, insécurité envahit tout. Écoutez, dans le pays, il y a un collègue qui a capturé le monde dans le pays, là, à côté de catastrophes naturelles, nous avons tout le problème, ça, mon cher, moi, je pense que c'est une occasion pour nous aller chita, pour nous parler. D'ailleurs, même au niveau du gouvernement, côté à critiquer question, le gouvernement, des délégations parlent, il est informé pour aller. Pour le ministre, supposé là, avec délégation 21 décembre. Donc, nous, sont une opportunité que Jamaïque offre nous, pour que nous allons parler. Et enfin, d'arriver à dire ça à tout, guerrier du seul. Si, faut pas ici en paquet mon yo passer et bah la jouette ou bien courir dire à l'avance qui pas réussi pas les monde qui connaissait la réussite qui pas réussi tant que tu t'as pas allé à pas fait et si on mon aller dans pays étranger pour qu'on t'as pas allé comme ça ou bien pour devoir joindre une solution pour peuple haïtien qui dans tout problème que lié journée aujourd'hui à là n'est-ce pas que pour le ministre haïtien le fait à rencontrer nos partenaires à l'étranger ben oui ça fait tout le monde connaît que bagay ça a été fait déjà. Nous-mêmes, tout en Haïti, nous avons un exemple pour nous bailler. Côté, une crise politique, t'es là, t'es à l'étranger à résoudre. Qui côté, c'était l'île des gouverneurs en 1993, lorsque t'es renversé le président Jean-Bertrand Aristide. À côté, jouer pour faire te retourner au pouvoir dans le prince, eh bien, t'es à l'étranger, le calcien, les salariés sur l'île des gouverneurs, côté que t'es bien, ils ont un accord qui est signé, même si leur compte physique, face à face, par exemple, fait en général, c'est de la président Aristide. Mais délégation était là, ils ont discuté jusqu'à ce qu'il y ait un accord qui permet que le président Aristide puisse retourner au pouvoir. Nous-mêmes, nous, dans le collectif, là, nous animons de volonté ça pour nous, pour des solutions, et nous pas prêts à faire face à face avec le monde. Nous n'avons pas un ennemi éternel, nous n'avons pas un adversaire éternel, nous avons un désaccord peut-être avec certains mondes qui ont dirigé le pays, parce qu'ils ont dirigé le mal, ils ont trop victimes dans le pays, il n'y a pas grand-chose qui fait pour changer la situation, hein. Mais s'il faut qu'on parle avec le diable, nous parlons avec lui. Pour chercher une solution ensemble pour le pays d'Haïti. L'autre préoccupation ou bien l'autre question citoyen opposé, c'est le fait que pour yo pas vraiment gagner en crise politique ou bien gagner de groupe qui en face, hein? Peut-être yo fait référence à situation à Jean Ledeye sous présidence Jovenel Moïse côté pour moment ça c'est à
c'est encore tout le monde en pouvoir, même là c'est fort, mais il y a des gens qui disent que une initiative comme ça, était plus souhaite, était possible sous présidence de Jovenel Moïse, mais là c'est un coup principal préoccupation ou bien problème paysan là, c'est insécurité et puis pour organisation élection. Est-ce que selon vous-même, nous avons un problème politique, nous avons une crise politique véritablement qui mandait on rencontre un dialogue politique dans niveau ça? Vous connaissez, moi, je vais répondre comme ça d'abord, Guerrier. Pays en Italie, là, il y a besoin de dialogue tout. Pour nous éviter le type de crise qu'on a traversé. Par exemple, au lieu que ouvrier parc industriel, là, on sorti pour la rue à manifester pour la police tirer sur eux pour mourir, nous avons un dialogue permanent entre secteur industriel haïtien et ouvrier yo, à travers le syndicat. Yo. Et nous quoi gagner, mais faut nous mettre en œuvre pour que vous évitez que les gens de bagages savoir privé à pays. Au lieu que vous ayez une crise dans l'éducation nationale, pour de temps en temps, professeur après la manifester, ou bien étudiant qui a manifesté, demander professeur, d'où il y a un dialogue permanent au niveau de l'éducation haïtienne. Hein? On n'est pas seulement ministère, là, on a dit au niveau de l'éducation en général, que ce soit pour curriculum éducation, pour que ce soit l'autre qualité de type problème qui gagne, si vous un dialogue permanent dans ce secteur, ça, ou après dire que l'aller mieux. Dans la politique, là, tout. Nous avons une crise permanente, nous avons dit tout à l'heure, là, depuis 1804-1806, ça vient de mourir, nous avons une crise, nous avons une crise politique. Devinez sous une forme ou sous l'autre. Ou te dire, oui, ce journal, nous avons une crise politique, tout qui était très grave, parce que nous avons de grosses manifestations qu'on a faites, et nous avons la rue, nous avons demandé des missions, etc. Et à l'époque, songez bien, moi-même, Clarence Renoir, nous avons toujours prôné dialogue avec le président Jovenel Moïse. Mais je ne vous dis à la, oui, il y a une crise politique. Si j'en voulais que mon premier ministre qui est sous pouvoir, il va passer devant aucun parlement, il n'a pas aucune légitimité constitutionnelle, c'est seulement où elle l'a depuis 2 ans. Il a la prolongée mandale de temps en temps, il te font encore 11 septembre, qu'on y a le fond encore 21, qu'on y a le fond le barré encore, il a le pouvoir en 2025. Il y a une crise politique. Il y a une crise politique dans le pays, lorsque par un président de la République il est assassiné. Il y a une crise politique lorsque par un parlement, par une institution démocratique qui est campée. C'est une crise politique, ça arrive. Il y a une crise politique, lorsque pas une élection qui est organisée pour mettre élu légitime, que ce soit dans la section communale ou dans le territoire, que dans le Parlement ou bien dans le palais national. Ça, c'est les crises politiques. Donc, nous pensons que l'IMAD, on chute à parler tout. Pour nous connaître, qui chemin après pour nous sortir dans la crise politique, ça, et une crise de démocratie, tout. Pour nous reconnaître, parce que nous parlons de démocratie. Même si démocratie, nous avons bien chute à solide, mais l'ordre institution là, qui est capable d'interagir entre eux-mêmes, les bas, ils ont allure de démocratie. Donc, il faut que nous retournions dans le système ça pour nous commencer à faire plus j'arrête, commencer à faire plus d'habitude, mettre des gens qui sont plus bons dans le tout, mettre des élus de qualité dans des gens qui voulaient changer ça qui est dans le pays. Pour moi, c'est une crise. Maintenant, sous crise politique, ça n'a pas avec le Premier ministre, président et Ariel Henry, ça qui l'a pour quotidien, les ministres de l'Intérieur, les ministres de Justice, les toutes qualités de la gagne, les parlements pour compte, les personnes qui ont jugé dans sa affaire. Ce n'est pas normal, ça lui dit son autocrate lié. Vous comprenez? T'as les avis qui avaient nos dictateurs là. Ils sont formes de dictature que ça y a là. Donc, son crise politique qui est là qui mérite résoudre au plus vite pour qu'on côté nous aller. Et il y a des gens qui ont une formule de solution pour lui, mais qui pensent que son bicéphale qui vous gagne. Il y a des gens qui pensent qu'il faut gagner une instance qui a contrôlé l'action du gouvernement pour ne pas quitter la ligne pour contre lui. C'est parce que nous avons une crise politique. Mais au-delà de ça, effectivement, on voulait une de sécurité. Mais sécurité a bien pour nous avec gouvernance pays. Si un pays a un parlement, si un pays a un président de la République élu, ou capable d'adresser le problème de sécurité, ça a mieux. Même pour si on a accord avec un pays étranger, communauté internationale là, ou besoin président, ou besoin parlement qui peut juger de qualité, ça palestinien, de constitutionnalité, etc. Mais l'on va gagner, ou non, crise politique. Maintenant, on a une crise, une mêlée avec l'autre. Il m'a dit pour Haïtien Chita pour jouer une solution. Il m'a dit pour bien concession faite d'un côté quand on l'autre. Il m'a dit pour que nous parlions hypocrisie, pour nous dire qu'il y a une crise et pour nous en crise. Mais tout simplement, je dis à moun qui dit nous parlons en crise là, c'est moun qui n'a pas le pouvoir, qui a joué le pouvoir et qui, en tout autre temps, t'a pris la rue, t'a manifesté, t'a demandé des chocages, t'a demandé de mettre clé à ma porte pour aller. Mais je dis à puisque moun n'a pas le pouvoir, il ne doit pas y avoir une crise. Nous considérons dans le collectif là, comme son crise liée, nous avons une crise sociétale, nous avons une crise politique, nous avons une crise de démocratie, eh bien, il faut nous commencer à chercher une solution pour nous sortir là-dedans de manière durable. C'est-à-dire pour ne pas retourner dans le bagage encore dans un an, dans 2 ans, l'élection a fait,
pour que nous entrions vraiment dans une période de stabilité qui va permettre qu'on y a, nous commencer à contempler l'action que l'État va poser pour que la paix règne définitivement, pour que la justice sociale qui fait dans le pays, pour que le progrès économique qui fait dans le pays, pour l'emploi créé dans le pays. Ça, il y a demandé pour nous sortir dans le type de crise que nous vivons depuis 2 ans, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Benoît Gagnon, président HCTA, qui lui-même dit clairement, ça qu'on pourrait discuter dans la rencontre politique qu'a fait Jamaïque là, c'est des bails, ils ont discuté déjà, ils ont même au niveau du forum 23-24 mai, et là, les Bilouins pour le dire, et tout dialogue inter-haïtien, bien que vous soyez essayé et expliquer ça au même, qui j'en sais, t'es qu'on fait déjà par le passé, t'es doué fait en Haïti, en parlant de tout dialogue inter-haïtien de fait en Haïti. Globalement, sur la position du Haut Conseil de la Transition, notamment position Mme Hippolyte Manega. Est-ce que M. Renaud a un commentaire? Si oui, qui s'allie? Commentaire, M. Souli, oui, il y a raison. Dialogue qu'on a fait en Haïti, mais en même temps, il y a fait de l'autre côté. Nous avons un exemple de l'autre pays qui fait dialogue à l'extérieur du territoire, il y a un problème, des crises internes dans le pays, et puis il y a une solution. Grande incohérence, nous sommes capables seulement de déceler dans la position HCTA. C'est tout simplement un point de vue personnel que Mme Maniga gagne. Deux bagailles. Premièrement, dans le forum 23-24 mai, toute question va être résolue là-dedans. Et si toute question était posée là-dedans, elle était posée entre amis et alliés, en famille et alliés, narratif. Elle était le 21 décembre qui était là. Et comparativement à ça qu'a fait Jamaïque là, je me souhaitais de tout cœur que nous réussissions, que nous arrivions à parler civilisé entre nous-mêmes. Qui s'est passé? Le ça, on va joindre tout secteur sociétaire, le secteur religieux, secteur commercial, patronal, secteur éducation, secteur universitaire, secteur paysan, d'accord, continuer à chercher secteur toujours, que moi, on invite là dans la politique. Forcément, tout là, activiste, militant, jeune, qui t'a fait mouvement Petro-Caribé, tout le monde invité, parce que crise, ça concerne tout le monde. Le fini forme d'invitation qui est faite, et je l'ai fait Jamaïque là, et même avec ça qui est fait, Madame Gani, il y a cap par contre ça, mais pas de bien invitation. En réalité, pas de bien volonté. Je t'ai invité, moun vin discuter, qui t'a pas pris le contre-pied de certains bagages que t'as pas le fait, que HCTA t'a pas le fait. Et enfin, Ndegen l'a dit, grand contradiction. Non, ça, Madame Maniga, comme présidente HCTA, il y a par rapport à gouvernement. Premièrement, Madame Maniga, et moi, ouais, réseaux sociaux, rappelez-le que le dédit, en 2004, a fait conseil des sages, forme de organisme ça, qui a une greffe son dans le gouvernement illégal, pas constitutionnel, pas là-dedans, il n'est pas d'accord, il n'est pas quoi dans ça, je vous dis, ça c'est une. Mais deuxièmement, le gouvernement peut aller, et puis pour HCT pas aller, qu'est-ce qui est plus fort parce que l'autre là, c'est HCT à plus fort. Bon, maintenant, s'il y a des problèmes qui posent qui fait que HCT n'a pas à déplacer, nous allons comprendre ça. Ok, nous avons compris Madame Maniga pas disposé de déplacer lui-même, mais si le Premier ministre, qui lui-même de facto qui l'a, et c'est lui-même qui bat naissance quelque part, a cité à Libralé, pas aucune raison pour accepter à ma explication pour le parler. Si le Premier ministre compose une délégation de presse de 10 mounes, alors qu'il était invité seulement lui-même avec le président HCTA, on y a envoyé 10 mounes aller, c'est qu'il y a une nécessité pour le présent, pour que un vrai dialogue, une vraie discussion qui fait. Yo compté aborder on a rencontré Jamaïque là qui lié à comment pour ta capable discuter sur transition sur forme transition sur configuration transition même si nous pas connait ça cap sorti dans résolution qui nous stand là mais est-ce que ou même ou en possibilité pour ta vinn gagner on l'autre transition peut-être on l'autre 1 an 2 ans encore avec ou sans Ariel Henry. Écoutez, transition et Thierry Montuma dit une transition qui n'en finit pas. Transition de la démocratie. Là, nous avons une période intérimaire qui est liée pratiquement, et effectivement, qui permet de transition pour sortir de la période où on n'a pas aucun pouvoir légitime ou entrer dans le pouvoir légitime. Maintenant, il faut que nous gardions la réalité en face. Et Jamaïque, trois anciens premiers ministres qui vont le faire, facilitateurs, non, dialogue, ça a pu prévoir pour faire, ils ont posé problème de gouvernance. Non? Il a posé problème d'action gouvernementale qui vous crée confiance. Il a posé problème de sécurité qui vous met confiance tout et garantit que tout le monde a besoin. Et il a posé problème d'élection. Bien quand on a proposé problème d'élection parce qu'on n'a pas qu'à se prendre crise là, intérim Nanko est là dans le premier ministre qui est là,
qui va gagner tête, qui va gagner pied, qui va gagner non son premier ministre hybride, ou d'accord, capable de dire, de facto, du président, du tout d'agaille. Donc, il faut que nous ayons une solution à ça. Et, en fait, pour aller dans l'élection. Maintenant, personne n'a pas capable de dire si il va un succès ou bien un échec, tant qu'on n'a pas essayé. OK? Tant qu'on n'a pas essayé, fait, sort bien pour faire. Quand on a de grandes, quand on a de belles surprises, on est capable de dire, non, type de rencontre, ça y est. Maintenant, est-ce que le premier ministre a pris son pouvoir toujours? Mon cher Léon, il était oui lui-même. Parce que, lui, après HCT, il a fait le forum 23-24 mai, il a sorti une sorte de calendrier qui n'est pas officiel. Le côté, il dit, c'est en mars 2025, là, ben, pouvoir. Mais, en nous raisonnable, en nous raisonner bientôt, dans l'état pays, il est là, dans l'état insécurité, là, dans l'état de, on est capable de dire, de découragement population là dans là puisque il y a subi en pile pour décourager à tout. Vous pensez que je jodi à là il y a monde qui parie pour aller prendre la rue pour l'élection ou je pensais qu'il y a un candidat qui capable faire campagne de tout côté dans pays là pour yo capable intéresser l'électorat à le mobiliser pour le voter. Non, il m'a dit un temps qui pour aller gagner à qui sa gouvernance pays va le faire pour adresser problèmes socio-économiques qui gagne là pour un soulagement de la misère de la population, hein. Pour adresser en même temps problème insécurité, hein, pour définitivement nous ouvrir route, nous, route nationale, route intérieure, le quartier, pour nous libérer de gangs qui viennent prise, ou que le peuple a zombifié, de la même qu'à sortir pour la chercher manger, pour le manger, parce que la victime, nous gagnons pour jouer avec gouvernance. Si gouvernance pays n'a pas changé, pas bien progrès dans la sécurité, hein. Regardez pour elle, depuis 2 ans qu'il a, si c'est pas plus mal, insécurité a pris mal. Parce que le monde qui sont pouvoir, il y a un intérêt qui était pour l'insécurité à être là, demeurer, puis qu'il y a plus longtemps sous pouvoir. Et si nous, si nous pas, si nous jouer avec sa sérieux bail qui vient là, arrêtez de l'arrêter là pour 5-10 ans, là, faut un mandat présidentiel côté mon président, par exemple, capable de faire le pays. Parce que là, vous jouez avec problème de insécurité, hein, pour que du prolonger mandat chaque jour, vous achetez blindé, c'est vrai, blindé boulé. Chaque jour, blindé commencez faire action, mais au mois passé, on n'est pas fait encore. Entre temps, gang yo là, regardez ça qui a passé tabac avant hier, regardez ça qui a passé dans Carrefour, regardez ça qui a passé en lait et fermat, etc. Toujours un problème. Mais est-ce que j'ai une bonne solution? Il faut que mon force, qui additionne avec force haïtienne, pour accompagner, yo, résoudre le problème de sécurité, ça. Haïti n'a pas qu'à résoudre. Pourquoi? Nous avons déjà dit ça plusieurs fois. Haïti n'a pas besoin d'intervention dans type occupation. Tout le monde connaît haïtien très sensible à la question de ça. A fait l'intervention, il n'a qu'à ouvrir une place, pas qu'à ouvrir une métro de l'heure, Haïti n'est pas capable encore, parce qu'il vit dans la chair, dans la sang, depuis trop longtemps. Mais Haïti doit comprendre que Haïti a besoin d'accompagnement de 100 millions en coopération en matière de sécurité pour venir permettre que nous résoudre le problème qui vient là, que la police nationale a trop faible en équipement, en moyens et par une volonté politique d'elle, fait que bagaille au gros, jamais qu'à résoudre jusqu'à présent. Donc voilà ce qui se joue là. Ce qui va se jouer à la Jamaïque, et là, faut vraiment tout le monde clair, mettez conscience sur ce table, mettez cœur sur ce table, puis dites que la situation n'est pas capable de continuer comme ça, faut une fois magaille pour elle. Clarence Renoir, et c'est nous fait parcours, histoire d'Haïti, il paraît évident que une des causes fondamentales sous-développement paysan, les situé dans l'état permanent instabilité politique. Là qui vini à cause mauvais comportement acteur politique yo, mauvais comportement acteur politique haïtien yo qui impatient qui toujours voulait pour gain pouvoir même là c'est pas en élection donc yo toujours voulait faire une transition pour que c'est yo qui dirige donc c'est retirer quoi mettez pas et est-ce que vous pensez que gon formule jodi là pour avec et à partir de ça n'est là comme situation pour nous ta sorti pour nous ta fini à question ça une fois pour toutes ou bien dit toute l'histoire nous jalonner de question ça c'est des, alors au directeur politique même pas directeur politique seulement parce que c'est pas seulement acteur politique qui manipule population hein, manipule groupe yo qui mène yo dans ce type de ça on nous là journée aujourd'hui là ça nous là dans journée aujourd'hui là il semble que ça ca copie qui était contre c'est des mondes que des acteurs économiques tout derrière acteurs politiques qui ont manipulé eux ils fait mettre mon à l'examen de eux pour aller chercher un pouvoir parce que acteur politique a besoin de pouvoir tant qu'acteur économique a besoin de pouvoir la richesse c'est une situation historique effectivement que nous vivons son cycle
qui toujours répéter sous nous-mêmes, chaque fois, toujours gagner. Maintenant, comment vous résoudre le problème ça? Que ce soit à Port-au-Prince, que ce soit en passant Bli, ou bien Dumbaya là qui est important, et que ce soit Jamaïque ou ailleurs, quand nous te parlons de gouverneurs à l'ingot de accord, ou est-ce pas accord ça qui mettait fin à problème d'instabilité dans le pays? C'est acteur pour changer définitivement. Et pour changer acteur, c'est pas un de vous retirer tout le monde, vous mettez de nouveaux mondes, non? Pour faire l'école de démocratie dans le pays. Pour faire l'école côté jeunes monde qui veulent entrer dans la politique, puis on connaît que politique là, d'abord, élément essentiel dans la politique là, et indispensable pour faire fonctionner, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Lorsque, d'ailleurs, système ça, qui compose les trois pouvoirs là, yo, qui est interdépendant, yo, c'est l'épichita sous son rouage de dialogue, son mécanisme permanent de dialogue. On voit loin les vignes à cette partie exécutive, entre parlement, entre la justice, pour que, et chaque, il y en a dialogué avec l'autre, pour que dialogue ça, hein, qui soutient une dans la population, hein, continue dans le parlement, jusqu'à ce qu'il transforme dans des mesures, pour que la population capable de joindre satisfaction dans la demande de dans l'attente de dans le mode de vie que l'y envie mener. Donc, lui demander pour nous de jeunes démocrates, formés garçons, des mondes qui prennent l'école depuis petit, ou commencent à montrer sa démocratie ailleurs, dans la tolérance qu'on doit gagner l'une pour l'autre, dans le dialogue qu'on résout le conflit qu'on gagne, dans le comportement qu'on gagne, me songer d'avoir essayé, et faire un coup dans l'université sous ça, sous montrer petit monde, que corruption, c'est pas seulement le monde qui est dans l'État, comme voler comme l'État, qui partait avec l'étranger, qui a mis dans la banque. Corruption, il y a dans l'université à tout. Lorsque c'est copié, on veut pour copier, pour capable réussir, on a un faux diplôme. Faut qu'on crase le système corruption. Ça, son coup que nous avons travaillé sur lui, c'est même des instances internationales qui étaient intéressées, parce que l'homme était présenté pour GA, j'étais ouvert son idée qui, ah bon, parce que si dans l'université, dans l'école primaire, nous pas instauré des pratiques de dialogue, de tolérance, de négociation, par exemple. Mais ça ne va pas les aller. Négociation. Négociation, il faut gagner un côté, on perd de l'autre côté, et puis vous jouez juste milieu pour nous avancer. Vous connaissez Guerrier, Johnny, tout, Lydie, Maronti Pierre-Wenel, Atoum, Batane, Voali. Bon, dis-nous, Unis ont déjà tellement essayé de faire dialogue qui n'a pas marché. Nous, avec tout ancien président, on nous a dit, mais il faut une rencontre pour nous capables de voir peut-être dit l'expérience que tu fais et transmettre l'expérience ça par l'autre monde. L'autre jour, on a fait un bagage comme ça, Maronti Pierre-Wenel, si fait, on a dit bravo. Son bagage union était toujours les faits. Mettez l'ancien premier ministre ensemble, dit monsieur, plein d'abdi dirigé, qui problème qui était posé et qui s'en capte comme conseil pour nous soutenir la crise. Et nous ne trouvons jamais nous-mêmes. On est côté nous t'es nous proposé qu'on dialogue inter-haïtien à le fait dans la citadelle Henri Christophe là, dans un lieu historique, côté pour nous sentir poids de l'histoire là sous yo. Je dis, si héros nos ancêtres nous t'es parler entre eux, entre eux-mêmes, que t'es nos liberté et indépendance, et bien nous-mêmes tout. Mais je dis dans lieu ça, qui est chargé d'histoire, qui est capable de nous émotion, qui est capable de replonger nous dans le passé, nous, après nous, avons le devoir pour jouer nos solutions. Moi-même, je t'ai dit, même par la honte, aller Jamaïque là, faut nous considérer le nécessaire, oui, même par la honte, faut nous tourner avec un bagage positif pour le pays. Là. Parce que si Jamaïque, que nous avons une compétition avec les touristes dans certains moments, dans les années 70, je vous dis, à faire la leçon, à inviter nos vins parce que nous avons boumé entre nous-mêmes, pour nous commencer à gagner honte, leader haïtien, yo. Oui, si vous traînez nous juste à venir parler, il faut que nous sortions avec un bagage pour le pays d'Haïti. Mais comment moi nécessité de dialogue là? Oui, pour ne pas tourner encore dans ce type d'instabilité ça, qu'il a depuis deux siècles passés, côté chaque fois, et appétit pour pouvoir, appétit pour l'argent, fait que dirigeant nous n'est pas capable de quitter la société à fonctionner selon la loi. Et son problème haïtien gagne avec la loi. Du parler, bien patient, du vrai, c'est pour arriver avant, c'est le coupreur, pour qu'il y ait net, c'est ça qu'on a dit, premier ministre, ça, là, oui. Il était pour devoir, selon la constitution, si nous retenions à ça. Pour être fait élection dans 90 jours, ou bien 120 jours. Naturellement, il n'y a pas qu'à faire de banque pour dire comme ça. Parce que pays, il y a des, dans l'émotion d'un président qui va assassiner. Mais, si, dans 90 jours, ou bien 120 jours, pour premier ministre, il était convoqué, un dialogue national, on dit comme ça. Avec tout secteur politique, ça a eu été invité dans Jamaïque, là, à question dans Jamaïque. Et puis, j'ai dit, monsieur, dame, on ne parle pas de nous. Qui solution qu'a fait ensemble pour le pays, là? Eh bien, nous tableau, elle est réussie, oui. Mais, ambition, tout, on a tout pour contre lui. Et pour faire qu'aucun de temps en temps, ils font accord,
je m'en viens signer. Mon qui vient signer, on va le deux matin à quoi, pas respecter, ou ils font d'accord. Ils font d'accord toujours, même problème là toujours. Mais, ouais, ça, yo montre une mentalité, la caille nous que nous devons changer pour nous faire pays nous avancer. La République Dominicaine, les amis, jusqu'en 1965 encore, lorsque tu étais un président au pouvoir République Dominicaine, tout, c'est une intervention américaine qui était faite en 1965. La République Dominicaine sortit une occupation bien longtemps après nous. Parce qu'en 65, c'était une occupation américaine, c'était une intervention soldat américaine. Mais je veux dire, la République Dominicaine, il y a des côtés liés. Là, nous gardons les liés, et nous, même comme peuple, pour nous dire ça n'a pas avec territoire pas nous. Donc, il faut que l'occasion de dialogue, ça allait représenter, nous saisissons, nous posons problèmes fondamentaux, et puis pour nous chercher des solutions durables. Terence, n'a pas le fini, mais nous avons vu Mando là, puisque nous avons parlé de dialogue. Comment pensez-vous que nous avons retiré venin division ça qui n'en vient nous et qui l'a depuis le temps de l'esclavage? Ben, constat, oui, parce que nous avons une question. C'est un dialogue. L'homme dit dialogue, là, on va le dire qui j'en. On va faire un dialogue social, on va faire un dialogue économique pour qu'on ait richesse pays, comment pour le séparer. Ou va faire un dialogue politique, on connaît qu'on peut entendre nous entre nous-mêmes pour diriger le pays. On va déjà forcément des émissaires qui viennent sont à l'étranger comme des tuteurs, comme des envoyés spéciaux, comme les sont Max Paul Verelé et l'autre Abini. Nous capables entre nous-mêmes, dans la permanence du dialogue, ça, nous résoudre les problèmes politiques. Nous capables tout, les problèmes de caractère, les problèmes, comment les problèmes, ça qu'il a depuis longtemps dans le pays. À chaque fois, la boîte d'île, problème conflit et rien. Au lieu que ça coûte manchette pour la résoudre, il faut qu'on instance qu'il a, qui pour poser problème ça, mettez moun avec moun, puis parler pour ne pas arriver dans un bain de sang, dans perte de vie humaine. Nous besoin d'un dialogue dans toute couche de la société, hein, pour que non seulement dialogue là, l'hypothé apaisement social, l'hypothé patience tout. Parce que même dans la caille où moun, il y a un conflit entre familles. Souvent dialoguer, c'est bataille qui a bien dans la famille. Hein. Et puis, ça pose comme problème, c'est la rue, le bras grand. Ou bien c'est classe, ou bien on a crasé en dedans, parce qu'il n'y a pas d'accord. Oui. Donc, le dialogue, ce n'est pas la solution, encore une fois, parce que une fois, on a conduit la réunion du dialogue, le dialogue est à la baille. Et même tout récompense le dialogue-là. Mais bénéfice du dialogue-là. Le dialogue-là, il y a bon temps pour résoudre le problème qu'on ne peut pas résoudre dans quelque chose. Dans le cas de briser, dans manifester, dans bouler tout le temps, on ne peut pas résoudre le problème. Non. C'est pour poser, ou chita, on met le problème dans son table. Ou vient avec des experts qui sont capables de bien expérience face au ou un grand monde qui est marié, qui a 40 ans mariage, 50 ans mariage, ou il vous faites marié, ou bien confier à madame, et bon, vous expliquez comment faire arriver dans l'âge 50 ans mariage. Et bien, quand l'eau qui péripétie n'était passé, et qui solution pour moi. Moi-même, de temps en temps, moi, ouais, on fait une anecdote avec lui, un parallèle qui n'est pas qu'un bé. Moi, ouais, l'homme, on gagne, ça aurait les doyens, ou bien doyens de l'humanité, yo, il y a 120, 110, 115 ans, il y a vivre, qui sont, ouais, au fait. En plus, mon amant, comment faire arriver dans l'âge ça? Et puis, moun sa va lui, mais qui s'en déconseille, qui fait arriver dans l'âge ça? Il va me sentir pour arriver là. Donc, nous avons besoin de faire ça dans le pays. Son thérapie la pied pour nous guérir les problèmes d'injustice sociale qui vient dans le pays. Une partie de la population, la grande majorité, parfois, qui n'a rien. Alors, pour nous faire un dialogue avec moun qui vivent, qui levé, qui grandit jusqu'à ce que vous mouriez dans la cité soleil, dans Belle, dans la Saline, dans au Cap-Haïtien, dans la fossette, dans tout côté de misère dans le pays, ils ont condamné. Il faut qu'on dialogue social qui fait pour dire ça autour eux-mêmes. C'est ça, en plus, nous, les conférences nationales, là. Pour dire eux-mêmes, tous ces petites terres. Ils ont même tout le droit à ce qu'ils ont richesse pays à gagner, pour qu'on ait qui sont pas le faire pour eux. Faut parler avec nous, qui nous amenons, mais eux, à tout. Pour qu'on ait, comment vous faites vivre là? Et comment on a résolu le problème, ça, j'ai l'Afrique du Sud, défait là, définitivement. Ça prend la prison, prend la prison, ça prend le pardonner, prend le pardonner, ça prend la réhabilité, prend la réhabilité. Mais il faut qu'on dialogue qui fait tout. Pendant qu'on combat, qu'on tue, deux points, chef, etc. Mais il faut dialoguer tout. Il faut qu'on dialogue qui fait tout au niveau de la justice pour tout le monde qui est en corruption. Le dialogue justice, ça n'est pas seul fait tout. Parce que c'est prison, mais tout, ou des restitutions fait. Le monde qui prend l'argent pays, t'as le serré à l'étranger. Moun qui a vili pays a dans comportement que ou bien il est sous pouvoir. Eh bien, faut que tout le monde sache que nous dialogue haïtien nous haïtiens pour que nous pas retomber dans la crise en copie devant. Évidemment, ça va faire aujourd'hui, il va faire dans Jamaïque, mais il faut le faire quand même, c'est espérance ça moi-même gagner. Pas aucune raison pour me ta saute la caméra là, je ne jodi à la pour me dire moi Jamaïque, aucune raison. Aucune raison. Mais ma fait
parce que je crois que le pays m'a changé. Parce que je crois que Haïti est pour prendre conscience, et c'est de ça que je parle, de l'État pays là, pour que nous suspendions, voyez l'image d'un peuple divisé qui voulait seulement pour vivre dans confrontation, dans conflit, mais pour nous capables de jouer un chemin d'entente nationale, ça. Chemin de vivre ensemble, ça, qui est possible pour moi, pour que le miracle haïtien vienne possible tout. Merci un peu, Clarence Renoir. Merci beaucoup, Guerrier. Merci, Johnny, Pierre-Winel et Lydie, à tout le monde qui t'a attendu. On va demander plus de l'espérance, ça, tout, pour nous souhaiter que le pays nous en sorti. On ne permet pas du fait bouler tout le temps, peut-être du fait bouler entre nous-mêmes. On ne permet pas de division entre nous-mêmes, on dit, tel bras, laisser manger, le bras, manger, ça, c'est bien, le bras, bien, ça, c'est pomme, il va le chercher. On nous garde, sinon, bah, dirigeant, nous, pression plutôt. Pour nous dire, si nous allons là, faut nous tourner avec un bagage et encourager pour jouer une solution pour nous tous dans le pays. Merci beaucoup. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et bien, on agit. Entre désespoir, de machination politique, il est nous dit, mon éditorial, vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2h, M. Chanel Paul là pour bien informer avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick là, même voix.